Femmes chassées ou condamnées par la justice des hommes, elles étaient appelées Amazones. Descendantes d'Arès et de la nymphe Harmonie, guerrières et chasseresses, elles se brûlaient le sein droit afin de pouvoir tirer à l'arc et détruire tout ce qui ressemblait, de près ou de loin, à ce qu'elles détestaient le plus au monde, l'homme. Basées sur les bords de la mer Noire, sur les pentes caucasiennes, en Thrace ou en Scythie, leur survie passait par l'attaque des villages voisins afin de capturer les mâles. La plupart mouraient quelques instants après l'accouplement. Seules les filles étaient gardées et élevées au sein de leurs sœurs guerrières. Leur beauté était aussi tranchante que leurs armes. Elles harassaient leurs ennemis d'une pluie de flèches pour finalement les achever au corps à corps. Les hommes les décrivaient comme des démons, trop fiers pour avouer qu'ils étaient vaincus au combat par de simples femmes. Choisie entre toutes pour ses connaissances, sa science des armes et ses techniques de combat, Hippolytée fut proclamée matriarche suprême de celles qu'on allait appeler les tueuses d'hommes. Malgré les différends qui opposaient ces clans, aucun dieu, aucun héros, aucun guerrier n'aurait osé les affronter. Et pourtant... Comprends-moi, Ascasia. Je suis d'une famille riche, du rang des demi-déesses. Rien ne peut m'arriver. Quoi de plus ennuyeux pour une fille de mon âge? Tu oublies de dire que tu es de la famille de l'homme le plus illustre de nos contrées, Hercule. Oh, ne me parle pas de cet idiot! Ce prétentieux ne supporte pas les défis. Alors, je lui fais faire n'importe quoi. Il se lance corps et âme dans la bataille. Pour prouver à sa chère nièce, admettez, je cite, « Ma force et mes exploits te feront taire, vipère. » Que veux-tu dire? Mon père déteste Hercule et lui impose une série d'exploits. Ce n'est pas exactement ça, admettez, et tu le sais. Ton admiration pour notre père te rend aveugle. Tais-toi. Notre père a été mis sur le trône de l'Argolide grâce à la déesse Hera et ses conspirations. Rien de bien glorieux. C'est vrai, admettez? C'est vrai, mais mon père reste un roi redouté. Quoi qu'en pense certaines. Et c'est toi qui décides de ce qu'il doit accomplir? Mes trouvailles, oui. Mon père me défie de trouver une épreuve qu'Hercule ne saura accomplir. J'en vois une pourtant. Laquelle? Être intelligent peut-être. Avoue tout de même qu'il est impressionnant. Au niveau de la force, oui, mais figure-toi que c'est sur la ruse que j'aimerais le voir à l'œuvre. Qu'as-tu trouvé cette fois-ci? J'ai demandé à Monsieur Muscle de me ramener la ceinture des Amazones. Quoi? Tu es folle! Tous ceux qui ont essayé ont subi une défaite cuisante. Ne t'énerve pas, Hercule est parti avec la moitié de son armée, mais pas pour se battre. Je ne comprends rien. La difficulté, c'est de prendre cette ceinture. Il ne doit pas la voler, ni se battre pour l'avoir. Effectivement, tu en demandes beaucoup. En tant qu'homme, approcher les Amazones est déjà un exploit. Qui est en sa possession? Hippolytée. La plus coriace des souveraines. Admettez, fais-moi plaisir, ne me considère jamais comme un membre de ta famille. Scassia, ne pense pas ça! Tu es plus que ça pour moi! Je tuerai ou je mourrai pour toi! Tu es ma seule et véritable amie, et je n'autorise personne à te faire de mal. Toi aussi, tu es ma seule amie. Mais dis-moi en plus sur ce défi. La reine Hippolytée est la garante de cette ceinture auprès des dieux. Alors, si Hercule veut la déstabiliser, il va devoir la séduire et obtenir la ceinture. D'ailleurs, je me demande où il en est. Hercule, si mes sœurs guerrières te voient en ce lieu, je n'ose imaginer leur courroux. Alors pourquoi m'acceptes-tu ainsi à tes côtés? Tu connais mes sentiments pour toi. Qui peut espérer conquérir le cœur d'une Amazone? Je n'ai pas cette prétention. Mes hommes et moi repartons pour Tirinthe, demain matin. Tu pars? N'es-tu pas heureux ici? Si, Hippolytée. Mais notre union est impossible. Jamais tes guerrières ne le permettront. Cessons cette guerre avec les hommes. Je dois réellement partir. Les attentions que tu me portes
me comble de bonheur. Mais ni ton peuple, ni celui des hommes ne sont prêts à vivre ensemble. Accepte au moins un présent de ma part. Un présent ? Quel genre de présent ? Un objet que tous les hommes convoitent. Un objet inestimable. Et quel objet pourrait soulager notre séparation ? Belle Hippolyté. La ceinture d'Arès. Une ceinture ? Une ceinture peut-elle déchaîner autant de passions ? N'as-tu jamais entendu parler de la ceinture d'Arès ? Elle est le symbole de notre union. Et nous ne devons jamais nous en séparer. Sinon ? Sinon rien. Tout ceci n'est que mensonge. Mes sœurs guerrières ont ainsi le sentiment d'être protégées par l'Olympe. Et cela leur donne la force d'affronter n'importe quel guerrier. La reine n'est toujours pas rentrée. Je pense qu'elle est assez grande non, pour... Non, la question n'est pas là. Je la trouve étrange en ce moment. Petite, venez ici. Vous venez des jardins du palais ? Avez-vous vu la reine ? Vous êtes sûre ? Vous ne seriez pas en train de mentir. Allez, filez. Ces gamines savent quelque chose. Pourquoi n'as-tu pas insisté ? Tu as déjà vu une Amazone révéler un secret ? Que comptes-tu faire ? Je vais appeler la garde matriarcale. Nous ne craignons ni la magie des uns, ni la force des autres. Mais je veux te donner la chose pour laquelle j'ai le plus lutté au monde. J'accepte avec joie cette offrande que tu me fais. Je dois retourner à Themyscira. Mes chasseresses vont partir à ma recherche. Personne ne sait que je suis ici. Et mon absence va éveiller les soupçons. Maudit sois-tu, misérable! Qui t'a permis de défier les tueuses d'hommes? Doutes-tu à ce point de leur hargne? Tu vas apprendre à les respecter. Et je veux être là lors de ta mise à mort. Folle de rage, la déesse Héra prit forme humaine et descendit sur terre. Sous les traits d'une Amazone, Héra voyait là l'occasion de se débarrasser d'Hercule. Anaïs, ma messagère, quel bon vent t'amène ? Celui de la tempête, je le crains. Que veux-tu dire ? Je ne peux parler devant tout le monde. Parle ! C'est si grave ? Permets-moi d'insister, ma reine. Éloignez-vous ! Ce message est pour toi. Lorsqu'Hippolyté prit connaissance du message, tout semblait déjà joué. Un dénommé Hercule a dérobé la ceinture d'Arès, et notre grandissime reine a besoin de nous. Partez sur le champ. Menés par la puissance de la déesse, tous les clans furent alertés par les messagères les plus rapides. L'ordre était simple. Rassembler les Amazones, se rendre à Themyscira et tuer Hercule avant que la reine ne commette l'irréparable.
réglera son sort le temps venu. Pour le moment. Quelque chose de grave ? Non, ça va. Tu as l'air bizarre. Ça va, j'ai dit. Mais que dit ce message ? Il parle d'Hercule. Ce message est-il vrai ? Tu veux donner la ceinture à Hercule ? J'ai eu un moment de faiblesse. Mais je te jure qu'Hercule me paiera sa ruse. Anaïs, pars sur le champ prévenir nos sœurs guerrières. Le danger est à notre porte. Il faut ramener les chasseresses et mettre les petites aux abris. Fais-le immédiatement. Et envoyez une messagère au devant d'Hercule. Il faut qu'il soit au courant de nos intentions. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends rien. Les hommes nous cherchent à nouveau querelle. Mais je ne veux pas envoyer mes guerrières dans un nouveau bain de sang. Nous sommes respectés. Nous n'avons plus rien à prouver. Jenna, pars à la rencontre d'Hercule. Qu'il quitte la région et nous en resterons là. Elle a raison, lâche-la. Que me vaut la visite d'une Amazone dans un coin reculé de la forêt ? Je viens voir Hercule de la part d'Hippolyté. Tu te doutes bien qu'on ne voit pas Hercule si facilement. Mais pourtant, il le faut. Pas d'ordre ici, ma jolie. Je suis Iolas, le lieutenant d'Hercule. Si tu as quelque chose à lui dire, je lui transmettrai. Dis-lui qu'il a jusqu'à demain pour quitter la région. Et sinon ? Que se passera-t-il ? Sinon, l'expression « tueuse d'hommes » n'aura jamais été aussi bien portée. Va dire à ta reine que j'en avertis Hercule. Il prendra ses dispositions. Maintenant, pars vite. Avant que je ne prenne les miennes à ton sujet. Je suis censée avoir peur. File. Là. Jenna n'est toujours pas revenue. Il semble qu'Hercule ait refusé notre proposition. Le message semble clair. Ne laissons plus passer aucun homme.
Bravo, admettez. Quoi? Tout ce chahut au palais. Ça ne te dit rien? Je ne vois pas. Expliquez-vous. Ça va, pas la peine de faire sa grande dame. Ta sœur nous a tout raconté. Oui, elle nous a tout dit. Voulez-vous que je vous rappelle qui je suis? Pas la peine, ça aussi ta sœur nous l'a dit. Kalia n'est qu'une langue de vipère. Hercule aurait dû être roi de Tirinthe. Ton père lui a pris sa place. C'est pas très joli tout ça. Mon père est le roi et méfiez-vous de son autorité. Une vraie petite Amazone. Au fait, tu es au courant? Ton petit jeu va entraîner une guerre. Qu'est-ce que tu racontes? Qui va se battre? Pas se battre, mais se faire tuer. Toutes les Amazones sont parties aux trousses d'Hercule et elles veulent sa tête. Quoi? Et tu parlais d'intelligence, ma pauvre Admettée. Connaissant Hercule, considérez les Amazones comme... mortes. Fou de rage, offensé, Hercule convoqua Iolas. Il n'était pas question, pour le fils de Zeus, de laisser cet affront impuni. Malgré la promesse faite à Admettée, il fallait anéantir ces guerrières où qu'elles soient. En devançant l'attaque des Amazones, Hercule savait que la surprise jouerait en sa faveur. Mes amis, une grande page d'histoire va s'ouvrir aujourd'hui. Les Amazones se jouent des hommes depuis trop longtemps maintenant. Il est temps que cela cesse. Je vous propose aujourd'hui d'anéantir ce peuple de maudites femelles. En êtes-vous capable? Ne vous leurrez pas! Nombre d'entre vous ne reverront pas notre bonne vieille terre de Tirinthe! Mais avec quoi se défendent-elles? Des chaudrons? D'entre tous, tu seras le premier tué, Titus! Rassemblez-vous et mettez les petites à l'abri. Iolas. Oui, Hercule. T'as envie de t'amuser? Vas-y.
De retour chez lui à Tirynthe, Hercule ne cessa de flatter l'orgueil des hommes en racontant avec quelle facilité il avait débarrassé la Grèce de ses guerrières. Tous écoutaient ses récits avec fascination. Mais un jour... Dis à Hercule de ne pas rire trop fort. Elle pourra le retrouver. Qui dit cela ? Et de quoi parles-tu ? Mes hommages à toi, Iolas. Je suis venu t'avertir qu'un danger vous guette. Et alors ? Tu aimerais nous protéger ? Pardonne-moi, mais tu manques quelque peu de muscles. Ah ! Je suis sérieux ! Vous êtes en grand danger. Je me permettrai respectueusement de... Te taire ! Si tu ne veux pas que ce soit ta dernière conversation. Quel est ton problème ? Je dirais plutôt... votre problème. Les Amazones sont actuellement à la recherche d'Hercule. Je te rappelle que nous avons exterminé toutes les Amazones, jusqu'à la dernière. Personne ne pourra dire que tu n'as pas été prévenu. Assez ! Comment as-tu réalisé ce prodige ? Es-tu sorcier ? Contente-toi de mes prophéties, ô grand Iolas. Je suis simplement venu vous mettre à l'abri du danger. Pourquoi ne pas le lui dire toi-même Meglor, pour te servir. Hercule est impulsif et orgueilleux. La gloire l'obsède. Seul un homme comme toi pourrait réussir à le convaincre. Le convaincre de quoi ? Connais-tu son histoire ? Qui ne connaît pas les exploits d'Hercule ? 11 guerrières sont parties à ses trousses, plus meurtrières que jamais. Et elles ont juré de jeter sa tête dans le fleuve Thermodon. Que sais-tu d'elle ? Je sais simplement qu'Hippolytée se trouve à leur tête. Mais il a tué Hippolytée de ses mains. L'as-tu vu mourir ? La magie d'une certaine Nepharis et les pouvoirs de la déesse Hera ont eu raison de ses coups mortels.
Hippolyté est belle et bien vivante. De plus, tu ne peux attendre aucune aide des dieux, tant Héra déteste Hercule. Tu oublies que Zeus, son père, est le dieu de l'Olympe. Même Zeus, son père, ne peut lui venir en aide. Pourquoi ? Son respect pour Héra est immense et il n'osera lui barrer la route. Les 11 survivantes qui sont parties à ses trousses ont de quoi lui causer de graves problèmes. Il existe un endroit où les Amazones seraient à sa merci. C'est un endroit d'où personne n'est jamais revenu. Quel est cet endroit ? Le temple du dieu Cronos. Le temple de Cronos ? Je l'ai prévenu. Et l'idée de se jouer des Amazones le séduit assez. Qui me dit que cet endroit nous protégera ? Cronos possède la roue de fortune. Qu'est-ce que c'est ? Une roue qui soumet ses victimes à des épreuves terribles dont l'issue est souvent la mort. Comment 11 femmes peuvent-elles faire autant de dégâts ? Ne les considère pas comme des femmes, mais comme des machines à tuer. Tu en parles comme si tu les connaissais bien. Tu ne crois pas si bien dire. Je vais en parler à Hercule. Comment vais-je te retrouver ? Ne crainte. Je suis ici et nulle part. Sa nièce, admettez, est déjà là-bas. Fasse que Cronos l'ait déjà dévoré. Dis-lui également qu'il aura bientôt... plus tendre à se mettre sous la dent. Mais où on va ? Tais-toi et avance. Tu ne me réponds jamais de toute façon. On va chercher Lyd, ta grande sœur, tu te rappelles ? Ah ouais ? Et qu'est-ce qui te dit qu'elle est par là ? Je ne sais pas, quelque chose m'attire par là. Et puis, si tu avais tenu ta langue, on n'en serait pas là. Ça va être encore de ma faute. Ne perdons pas de temps, la route est encore longue. Oui, bah ça je m'en suis rendu compte. Lorsque tu arriveras à la forêt de l'Olympe, fie-toi à ton instinct et tu découvriras le rocher de l'Alliance. Tout cela n'est pas très clair. Essayons par là. Assez de marcher. Pas même un crâne à fendre au passage. Tu es incorrigible, tu ne changeras donc jamais. Si je tombe amoureuse d'un homme. Myrina, on marche depuis 2 jours, mais où nous emmènes-tu exactement ? Si je le savais moi-même. La seule chose dont je me souvienne, c'est que nous étions avec la garde matriarcale. Et je nous revois boire dans cette étrange fontaine. En tout cas, depuis notre réveil, pas la moindre trace d'une Amazone. À croire que ta sauvagerie les fait fuir, Myrina. Thank you.
Bah, il est là, ton caillou. Bien. Maintenant que nous sommes ici et que tu sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on attendait au rocher de l'Alliance, alors on attend au rocher de l'Alliance. Oui, mais depuis le temps qu'on marche, j'ai quand même le droit de poser des questions. Tu poses toujours des questions. Oh, une sœur guerrière! En arrière. Que font deux gamines de votre âge dans cette forêt? On n'est pas des gamines. Pardon? En tout cas, on est assez fortes pour te faire passer l'envie de te moquer de nous. Et dans quel clan trouve-t-on des Amazones aussi effrontées? Et dans quel clan est-on assez lâche pour s'attaquer à des gamines? On n'est pas des gamines, on est des Amazones. Bravo. Tout exact au rendez-vous. Qui es-tu? Peu importe mon nom. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que vous soyez toutes arrivées entières. Et d'où sortent toutes ces filles? Ce sont toutes des Amazones. Et voilà Phédra, la plus grande stratège de notre nation. Ici, vous avez Noria et Tali, les deux plus grandes chasseresses de l'armée de la célèbre Myrina. C'est elle, la fameuse Myrina? Oui, t'as compris, elle ne t'approche pas. Et cette délicieuse petite effrontée, c'est Felty, accompagnée de sa sœur, Sagana. Tu as l'air d'être au courant de beaucoup de choses. Votre sœur est encore en vie et vous n'allez pas tarder à la revoir. Elle commence à m'énerver, celle-là, avec ses grands airs. Celle-là, c'est Nadia. Et je suis la plus fidèle conseillère de la reine Hippolytée. Et elle ne s'approche pas? Atalante a été élevée par les ours. Son reste d'instinct animal fait d'elle la plus précieuse des éclaireuses. Et on doit faire quoi avec tout ce beau monde? Tu n'es pas obligé de nous supporter. Toi, la ferme. Cessez ces querelles. Nous devons nous unir. Lyd, ma sœur. Bah tu vois, elle est revenue. Hippolytée? Oui, c'est bien moi. Et il faudra mieux vous entendre. Pour mener à terme notre mission. Quelle mission? Peut-être l'ignorez-vous. Mais la nation Amazone n'est plus. Que veux-tu dire? Hercule a exterminé tout notre peuple. Et s'est emparé de la ceinture. On dit que la reine a été tuée. C'est exact. Mais Hera et la magie m'ont ramené à la vie. Que faisons-nous là? Qui nous a emmenés ici? Artemis a choisi les Amazones les plus talentueuses pour récupérer notre bien. Vous avez été épargnés par les massacres perpétrés contre notre peuple. Car à l'heure qu'il est, les armées d'Hercule ont exterminé nos sœurs guerrières. Comment ça, exterminer tout notre peuple? Je vous l'expliquerai en temps utile. Mais pour l'heure, c'est à vous de changer le cours de l'histoire. Et que doit-on faire alors? Nous devons le retrouver et le tuer. Nous? Tu comptes emmener tout le monde dans ton périple? Nous sommes toutes concernées, non? Nous devons de récupérer la ceinture. La ceinture ou ton honneur bafoué? Libre à vous, les chasseresses, si vous ne voulez pas y aller. Mais nous restons fidèles à notre souveraine. Elle a été fidèle à nos principes, elle? De toute façon, que peut-elle faire sans nous? Tu as regardé autour de toi? Trois gamines, trois fausses guerrières. Ça me paraît un peu faible, non? Et comment comptez-vous survivre à trois? Nous allons refonder une nation Amazone où le sentiment pour l'homme n'aura pas de place. Et nous pourrons ainsi éviter la situation dans laquelle tu nous as mise, Hippolytée. La violence et la haine t'aveuglent, Myrina. Votre seule chance de survie, c'est nous. Alors restez. Si nous avons peu de chance à sept, crois-tu en avoir plus à trois, franchement? Est-ce par peur que tu laisserais mourir ta sœur guerrière? J'aurais votre mort sur la conscience si je ne venais pas. Mais attention, une fois cette ceinture récupérée, nous rediscuterons fermement de notre rôle dans notre future nation Amazone. Tu as entendu, Nepharis? Nous partons chercher notre bien. J'ai entendu. Hercule est bien parti pour le temple de Cronos. Qui c'est celle-là? Je suis Nepharis, magicienne envoyée par la déesse Hera. Manquait plus que ça. Mes sœurs, je ne sais pas ce qui nous attend au temple de Cronos. Mais soyez vigilantes. Ne nous dispersons pas. Restons ensemble, quelles que soient les tentatives d'Hercule. En route. On va où? J'ai rien compris. Suis-nous, c'est tout. Et tiens ta langue. T'as qu'à dire ça à Sagana. Les Amazones se mirent en route
sous la direction de Nepharis. Déterminés, les 11 guerrières partirent à la recherche de la ceinture d'Arès. Alors elles marchèrent, et marchèrent encore, toutes plus belliqueuses de jour en jour, mais veillant néanmoins l'une sur l'autre. Elles gravirent des montagnes, traversèrent des forêts mystérieuses, utilisèrent des raccourcis que seule la magie de Nepharis pouvait leur indiquer. Les jours s'égrenèrent et la course contre le temps épuisait les guerrières. Demain, nous devons tout être à la porte du temps lorsque le soleil sera au plus haut. Mais elles savaient malgré tout que leur destin était au bout de ce périple. Après tout, elles étaient peut-être les élues. Voilà au temple de Cronos. Ne cherchez pas à comprendre où vous êtes ou qui vous êtes. Nous sommes hors du temps et très loin de notre bonne vieille terre. C'est à nous de jouer. Elles arrivent. C'est ça, le fameux temple de Cronos. Et par où on entre ? Bah par la porte. Thank you.
Je vous savais vaillante, mais pas stupide. Vous avez donc osé venir affronter la roue de fortune. Cet affront sera le dernier. Qui nous parle ? Je suis Chronos, le maître de ce temple. Ce n'est pas toi que nous sommes venus défier, Dieu Chronos. Mais il nous semble qu'Hercule est en ces lieux. Or, il a quelque chose qui nous appartient. Je suis au courant du différend qui vous oppose à Hercule. Et que devons-nous faire pour l'affronter ? Malheureusement, je crains qu'il n'y ait pas d'affrontement possible. Hercule aurait-il peur à ce point qu'il n'ose se montrer, ni même parler de peur d'être vu par nous ? Hercule ne craint personne, ma pauvre Hippolytée. Et pourquoi ne pas descendre tout de suite, Hercule ? Je ne sais pas qui vous a fait venir ici, mais Hercule n'est point en ce lieu. Hein ? Votre adversaire a refusé l'invitation. Quoi ? Livrer ses sœurs guerrières aux mains d'une si jeune magicienne. Quelle inconscience! Bref, on fait quoi, là? Vous allez affronter une succession d'épreuves dans lesquelles il n'y aura pas de gagnant. Chaque épreuve réussie vous donne le droit de passer à la suivante. Et n'oubliez pas, jamais personne n'est sorti vivant de ce temple. Je vous garantis que nous n'allons pas rester ici longtemps. Survivez déjà à ça. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ce lieu comporte une issue. Il va falloir additionner toutes vos personnalités pour arriver à bout de ce temple. Que veux-tu que je fasse de ça ? Eh oh ! Réponds pas, petite sœur. On s'en occupe. Toi non plus, Sagana. Il va falloir être plus patiente que ça si nous voulons nous en sortir. Tu as raison, Hippolytée. Et je n'aime pas faire attendre mes invités. C'est trop gentil. Bien, tu peux être fière de toi maintenant. Écoute. Qu'est-ce qui te prend ? Tu as décidé de venir, alors commence pas ! Laisse-la moi, Myrina. Depuis notre rencontre au Rocher de l'Alliance, j'ai envie de m'offrir la tête de cette gamine. Des vraies chiennes de garde. Elle veut la noce. J'en ai assez entendu. Il faut jouer pour devenir sérieux. Ça veut dire quoi, ça ? Je ne sais pas, mais je pense qu'on ne devrait pas tarder à le savoir. As-tu déclenché ça ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas tout, là. Je ne sais pas, fais quelque chose. Baisse-toi ! Je ne peux pas ! Aidez-moi, je vous en supplie ! Il fait très chaud ! Je brûle ! Il fait chaud ! Aidez-moi ! Nous n'obtiendrons rien en restant toutes là. Fedra, pars avec les autres et tâche de trouver une solution. Tout de suite, ma reine. Suivez-moi. Faites quelque chose ! Le cercle se referme. Je commence à sentir la chaleur sur mon visage. Ne touche surtout pas les rayons, Atalante ! Comment pouvons-nous la sortir de là ? Seules les flèches qui atteignent la cible pourront atténuer ou mettre fin à ses souffrances. Ne bougez plus. Sagana, c'est à toi. Si l'une de ces flèches t'atteint, tu seras responsable de la mort d'Atalante. À la tête de solides guerrières, Hippolytée. Tout est réuni pour que nous passions un beau moment ensemble. Malheureusement, la fin sera inéluctable. Mets un terme à ces épreuves, Chronos. Hercule ne m'a pas envoyé ici pour admirer la force de ces maudites femelles. Quelle agressivité, mon pauvre Iolas. Serais-tu nerveux ? Silence, admettez. C'est un peu de ta faute si nous en sommes là, et celle de ce Méglore.
Où est-il, celui-là? Tu me demandes, Iolas? Où étais-tu? Ici. Et nulle part. Que me veux-tu? Est-ce que tu avais prévu cela? Calme-toi, Iolas. Personne n'est jamais sorti vivant de cet endroit. N'est-ce pas, Cronos? Tu peux écourter tes attentes en descendant toi-même régler tes comptes, Iolas. Peut-on passer à l'épreuve suivante? Vos petites querelles m'ennuient et les Amazones se refroidissent. Admettez à raison. D'autant que la suivante va sérieusement alléger le nombre de ses guerrières. Ça va pour vous toutes? Non, j'aimerais savoir comment on sort d'ici. Noria. Il nous faut trouver une solution. Avec vos déductions, je ne sais pas qui va nous sortir de là. Concrètement, on attend quoi? Je suis comme vous, j'essaie de comprendre. Mais Pharis, tu nous as amenés ici. Mais que peut-on faire pour arrêter ces épreuves? Je ne sais que répondre, ma reine. Tu parles d'une magicienne? Elle nous amène là et puis débrouillez-vous. Tu la connaissais avant? Oui, j'ai recueilli Nepharis alors qu'elle n'était qu'une enfant. Et s'il y en a une en qui j'ai confiance ici, c'est bien elle. Encore un mot de suspicion à mon égard, et je vous châtie. Merci à toutes de m'avoir sauvée tout à l'heure. Et tu dois même un bout de ta vie aux chasseresses. On n'a fait que notre travail. Protéger les Amazones. Ou du moins ce qu'il en reste. J'ai du mal à vous comprendre des fois. On dirait que nous sommes ennemis, alors que nous sommes toutes du même clan. On devrait se soutenir, non? Toi, tu parles et tu comprends trop de choses pour ton âge. Méfie-toi de ta langue, elle est pire qu'une arme. Elle a raison, Felty. Ça pourrait te perdre. En tout cas, on ne sait toujours pas comment sortir d'ici. À cette allure, j'en connais un qui va devoir affronter son destin, dans peu de temps. Admettez tes liens de famille avec Hercule m'oblige à une certaine retenue. Mais cesse ton arrogance, car ma patience a des limites. De quel bord es-tu? De celui des gens d'honneur, ce que tu n'es pas. Qu'est-ce qui te permet de dire cela? La lâcheté avec laquelle Hercule a attaqué Hippolyté. Ne pouvait-il pas l'affronter en duel? Non, il connaissait sa force. Hercule n'a peur de personne, petite peste. Lâche-moi immédiatement, misérable mortel. Tu sais qui je suis. De plus, Zeus, cette fois-ci, n'est pas à tes côtés. Et pour la première fois, tu es livré à toi-même. Ne vous inquiétez pas. Rares sont ceux qui arrivent à dépasser le grand couloir. Qu'est-ce que le grand couloir? Un chemin où Myrina, Sagana et Nadia vont croiser quelques personnes, disons, peu recommandables. Regardez la roue. Ne bougez pas. Où sont mes sœurs? Calme-toi, nous allons les retrouver. Ne mens pas à cette gamine, Nadia. Ça ne sert à rien. La ferme, Myrina! La question, c'est plutôt vais-je les revoir? Regardez ce qui arrive. Allez, restez là. Myrina, être aux côtés de la reine ne signifie pas uniquement prendre des décisions, mais savoir redevenir guerrière quand il le faut. Et? Et j'ai drôlement envie de te montrer ça. Et pour la petite, qu'est-ce qu'on fait? Nadia? Elle a été vaincue. Eh ben, ça commence bien. Tu
Tu crois qu'elle est... morte ? Je n'en sais rien, mais reste à côté de moi, il ne t'arrivera rien. Je n'ai pas peur. Alors, veille sur toi et laisse-moi tranquille. Quant à Nadia, je n'aimais pas ses grands airs. Et maintenant ? Maintenant, j'aimerais savoir ce que font mes sœurs. Je parie que Sagana se demande ce qu'on fait. Franchement, ça fait du bien de ne pas la voir sous le dos quelques instants. Parce que des fois, elle est vraiment fatigante. En plus, elle fait ça depuis qu'on est toutes petites. Tais-toi. Si on peut plus parler maintenant. Tu entends quelque chose ? Comme un grondement. C'est ton ventre, on fout ça. Si, c'est vrai. Écoutez. Je l'entends, moi aussi. Mais ça a l'air d'être loin. Moi aussi, je l'entends de plus en plus fort. Ça s'approche ? Hé, regardez, Fedra! Qu'est-ce qui lui arrive encore à celle-là? Je crains le pire. Qui êtes-vous? Je m'appelle Mélia. Bah d'où elle sort? Seuls les Pharis pourraient nous le dire. En tout cas, c'était juste. Tu peux remercier Lyd. Comment as-tu su? Lyd est cette fameuse Amazone dotée de l'œil du faucon. Qui est cette femme habillée comme Fedra? À notre réveil, elle était là. Que s'est-il passé lors de votre rencontre avec ce vaudou ? Il attaquait Fedra, et je suis intervenue. L'histoire est très simple. Il était en train de se nourrir du passé de Fedra, mais interrompu par Lyd, il n'a pu remonter plus loin que cette personne. Cette femme est son aïeule. Mais qu'est-ce que je fais là ? Nous t'expliquerons. En attendant, sois la bienvenue, Mélia. Vous parliez de l'œil du faucon ? Oui, j'ai entendu parler de cette légende. C'est donc toi, Lyd, que les dieux ont doté d'une force d'esprit et d'une intelligence remarquable. En gage de leur admiration, elle aurait reçu ce fameux œil du faucon. Vous croyez encore à ces sornettes ? Et puis c'est quoi ça, l'œil du faucon ? Elle a un œil appartenant au faucon de l'Olympe. Et ça te sert à quoi ? Bah, elle peut voir plus loin que n'importe quel humain. D'ailleurs, comment as-tu compris ? Ce vaudou se nourrissait de tout ce qui nous caractérisait. La force d'Atalante, la ruse de Fedra et la vivacité de Felty. Il ne lui restait plus qu'à prendre ma vie de demi-déesse. Je l'ai donc provoqué pour qu'il le fasse. Et je me suis laissé frapper en plein cœur. Et en me frappant, c'est lui que j'atteignais. Eh bien, au moins, tu nous auras servi à quelque chose. Remercie-la au moins. Jamais. Pareil. Je savais les chasseresses pas très futées. Mais à ce point,
Ça, tu vas le recracher. Quand tu veux. Tu crois que tu me fais peur? Assez! Et voilà. Vos jours sont comptés, toutes les deux. Que s'est-il passé? Hippolyte et Atalante ont osé toucher Noria. Quoi? Et pourquoi? Pour calmer l'arrogance de ta protégée. Ah oui? Et qui êtes-vous pour oser toucher une chasseresse? Leur reine, tout simplement. Tu oublies que la garde matriarcale est au service de la reine. Certainement pas d'une reine qui a trahi ses heures guerrières. Hippolyte, séparons-nous de ces... Dis-le maintenant et je te tue! Écoutez-moi, toutes les trois. Ne menacez plus aucune de mes guerrières. Sinon quoi? Tu sais pertinemment que... Que vous ne faites pas le poids. Tu es la reine, mais es-tu assez forte pour te battre contre nous? Laisse tomber, Tali. Elle-là, je la connais. Nul doute que nos querelles font le bonheur de certains dans ce temple. Nefaris a raison. D'ailleurs, ce silence ne me dit rien qui vaille. En tous les cas, ne tournez jamais le dos à Noria. Tu peux compter sur moi. Je serai là. Laissons Noria et ses états d'âme. Si elle remet ça, elle saura pourquoi j'ai été nommée reine des Amazones. Bah, y a l'ambiance. Soyons prudentes. Et veillons les unes sur les autres. C'est notre seule chance. Encore ce bruit. Resserrons-nous. Qu'on ne soit plus séparés. Mort annoncée de tes chères poursuivantes. Elles ont réussi tes épreuves et tu me dis mort annoncée? Chronos a raison. Seule, la division pouvait rompre leurs forces. Et il semble que ce soit chose faite. Je parierais plutôt sur la force de persuasion d'Hippolyte si j'étais à votre place. N'oubliez pas qu'elle est la reine des Amazones. Chronos a une idée pour achever le travail. D'où vient cette fumée? On est encore prisonnières? Alors, que fait-on? Et cette odeur, vous ne sentez rien? Non. Cette fois, je vois difficilement ce que nous devons faire. Vous pourrez compter sur Nefaris, mais il semblerait que votre ami ne soit pas à la hauteur. Méfie-toi de mes pouvoirs, Noria. Nefaris, tu sais comment on sort d'ici? Non. Mais je me souviens d'une légende sur le temple de Chronos. Ce temple n'a jamais laissé sortir le moindre prisonnier. Prisonnier? Oui. Nous sommes bien prisonnières de cet endroit. Nous avons été attirées ici. Et pour sortir, le seul indice qu'Hera ait pu nous donner est cette phrase. Seul le centre de la roue est immobile. C'est le moyeu qui l'a fait tourner. Drôle d'indice. Je crois deviner ce que cela veut dire. Parle. Qu'est-ce que tu comprends dans cette phrase? Si je l'explique maintenant, Chronos pourrait nous entendre, et cette phrase n'aurait plus lieu d'être. Il en a déjà trop entendu. De toute façon, pour passer d'autres épreuves, il nous faut sortir d'ici. Ça sent vraiment pas bon, là! Mon Dieu, Tali! Tali! Celle-ci ne parle pas. Aidez-moi à la relever! Que font-elles? Évitez de parler. Regardez. Nefaris, dépêche-toi. Tu vas tout faire. Balayer cette fumée. Dépêche-toi, Nefaris. Nous manquons d'air. Baissez-vous. Ça va, Nefaris? Oui, ça va. Comment une telle magie est possible, Myrina? Je n'en sais rien, moi. Ce n'est pas de ma discipline. Va-t-on devoir les supporter jusqu'au bout? Partons de notre côté. Elles sont faibles et nous retardent. De plus, je n'ai aucunement envie de continuer à les subir. Restons ensemble. Une autre épreuve nous isolera forcément d'elles. Là, je dois t'avouer que je n'ai jamais vu cela. Avec ce que tu leur fais subir,
Je pense que le sort de ton temple est en jeu lui aussi. Première parole sensée. Si elles apprennent que tout part de tes caprices, admettez, tes jours sont eux aussi comptés. Quant à celle de ce Méglore, la situation dans laquelle tu nous as mis, j'aurais dû affronter ces femmes avec mes guerriers, l'histoire serait terminée. Parle-moi sur un autre ton. Je t'ai conseillé, et tu as pris ta décision. Quel est ton plan, Chronos? Je m'incline devant autant d'intelligence. Mais qu'en est-il de vos facultés de combat? Hippolyte n'est pas là. Je propose qu'on évite de faire durer le combat. Pas d'objection. Alors, on y va. Battu, je sais. Le mot est faible. Je me régale. Si tu as trouvé, qu'attends-tu pour donner la solution, Lyd? Ce n'est pas l'heure, mais faites-moi confiance. On sait. L'œil du faucon. Et comment avez-vous échappé au pillage d'Hercule? C'est à cause de Sagana. La classe n'avait pas encore commencé. Cesse de mentir, Feltis, c'est toi! T'étais où avant? À l'école des chasseresses. Laquelle? Myrina. Il paraît qu'elle est très forte. La meilleure. Toutes celles qui sortent de là finissent chef d'armée. Et pourquoi t'es venue ici? Arrête de me poser des questions, tu n'es pas ma mère. Ça a l'air calme ici. Quand Feltis ne fait pas des siennes, ça peut aller. Mais cette petite est pire qu'une invasion de sauterelles. C'est laquelle? C'est celle qui te regarde là-bas. Tu crois que la nouvelle serait capable de battre Sagana? À ton avis? Tu ferais mieux de t'intéresser à tes cours. L'idéal, ça serait de provoquer une bagarre entre Sagana et la nouvelle. N'y pense même pas. Ah non, moi je pensais à rien. Je te connais, Felty. Pouf, tête de cerbère. Faut que je trouve une idée. Mais quoi? Ah, oh non, ça peut pas marcher. Voyons voir. Bonjour Sandra. Comment se porte notre relève? Le mieux du monde. Regarde. On est bien d'accord. Si t'arrives à la toucher, tu deviens Hippolyte. Oui, oui, c'est bon. Mais si, essaie. Fais-le. D'accord. Elle est où ta sœur? Là-bas. Suis-moi. J'en étais sûre. La voilà. C'est toi, Sagana? Oui. Il paraît que t'es intouchable? Il paraît. Eh bien, moi, j'ai parié le contraire. Mais c'est bien. Lève-toi. Bah non. T'as qu'à la taper, elle va bouger. Encore une de tes idées? Oui. T'es vraiment incorrigible. Oui, incorrigible. Laisse-les. Qui sont ces filles? Trois sœurs. Certainement les plus douées qui soient passées dans cette école. On va bientôt en avoir le cœur net. Je n'ai pas fini avec toi.
Eh. Arrête. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Que la responsable se dénonce. Quand on est une Amazone digne de ce nom, on affronte, on assume. Eh bien ? J'attends ? Où a-t-elle appris à se battre comme ça ? T'aurais dû commencer par me demander ça, tu crois pas ? J'ai jamais vu une technique pareille. Eh bien voilà, les deux sœurs. J'aurais dû m'en douter. Vos bons résultats ne vous permettent pas de semer le trouble dans l'école. Mais madame... Taisez-vous et reformez-moi les rangs. Vieille bique. Vieille bique. Quoi ? Au cachot, dépêchez-vous. Et alors ? Lorsque les hommes d'Hercule ont rasé la cité, ils ont oublié le cachot situé sous le palais. C'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Et vous n'avez donc rien vu des massacres ? La petite ne te répondra pas. Je suis pas une petite, je suis une Amazone. Pourquoi nous a encore mis le cachot celle-là ? Devine. Bah j'ai parlé trop fort, c'est tout. Au moins ici, je la vois pas. Tu entends pas du bruit, toi ? Sagana, il se passe quelque chose. Sagana, il y a la guerre dehors. Venez me chercher ! Au secours ! Sortez-moi de là ! Tais-toi. Ne fais surtout pas de bruit. Le matin de l'attaque, une cavalière m'a dit que mes sœurs étaient en danger et m'a attirée hors de la cité. Après, je ne me souviens plus. À quoi peut ressembler celui qui a pris le visage de l'absence ? Faites rien. Il ne se passe rien et le temps s'écoule. Tais-toi et surveille. Restez calme. Tu sens quelque chose, Lyd ? Qu'elle sente vite. Regardez le sablier. Myrina, ne bouge pas. J'en ai assez. Il y a forcément quelque chose à faire. Regardez dans le mur. Myrina, reviens. Qu'est-ce que tu fais ? D'où provient ce rayon de lumière ? Je n'y toucherai pas à ta place. Il y a sûrement un piège, Myrina. Ce n'est pas étonnant que les armées d'Hercule nous aient vaincus avec autant de courage. Fermez toutes les yeux ! Non ! Je vois plus rien ! Mon Dieu, Myrina ! Ça brûle ! Retire tes mains ! Que s'est-il passé ? Myrina a été aveuglée. Nepharis, fais quelque chose ! Tiens, on a besoin de ma magie maintenant. Malheureusement, je ne peux rien pour elle. Maintenant, le temps va commencer à faire son travail. Je commençais à en douter. Les épreuves de combat vont devenir véritablement compliquées pour elle. Meglore, tu as vu ? Ah !
Je te l'avais dit. Oui, mais qu'on en finisse vite. Quelle est l'épreuve suivante? Ne les laisse pas souffler. Lead, il est temps que tu mettes la solution du temple à exécution. Car à ce rythme-là, nous n'allons pas tenir longtemps. Je sais, mais je ne peux pas encore l'appliquer. Felty, c'est toi qui envoies de la poussière? Moi aussi, j'en ai reçu. Regardez là-haut. Qu'est-ce que c'est? C'est une pierre, Lead. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Lead, ton œil de faucon voit quoi? Je vois une inscription. Je peux prévoir le futur sans me tromper. Posez-moi la question qui me fera douter. Quelqu'un a une solution? Non, aucune. Toi, si tu ris, c'est que tu as la solution. Je crois, oui. Eh bien, vas-y, on t'écoute. À une seule condition. Pas maintenant! Laquelle? Ne me prenez plus pour une gamine. Sans problème. J'aurai des choses importantes à vous dire. Felty, parle vite ou sinon je me fâche. D'accord. En plus, si ça se trouve, c'est même pas ça, alors... Le prochain mot que tu diras sera-t-il non? Alors, je vous avais dit que je savais. Comment t'as trouvé ça, toi? Question logique. Il nous dit qu'il peut dire le futur sans se tromper. S'il dit oui, il a faux puisqu'il ne dit pas non. Si au contraire il dit non, là aussi sa réponse est inexacte, car ça veut dire qu'il ne lit pas le futur. Bravo, Felty. C'est la première fois que je ne te déteste pas. C'est gentil. Croyez-vous que ce soit le moment? Je sais ce qui se passe. Je sais tout ce qui se trame derrière notre dos. Je sais pourquoi Myrina est devenue aveugle. J'ai tout compris. Parle, Felty. Felty est la spécialiste des histoires à dormir debout. C'est important ce que j'ai à vous dire. Notre vie en dépend. Moi, je veux bien t'écouter, Felty. Non, j'ai encore pensé trop vite. Il est l'heure pour l'une d'entre vous d'affronter une épreuve sans issue. C'est-à-dire? Hippolytée, tu dois désigner l'une de tes guerrières. Sinon? Sinon, Chronos se servira lui-même. C'est pas possible. Est-ce cela la loyauté de Chronos? Qui t'a parlé de loyauté? Dépêchez-vous, le temps vous est compté. De toute façon, vous aurez besoin des guerrières. Joli geste de courage, Myrina. Elle a raison. Serait-on arrivé ici sans la combativité des chasseresses? Laissez-moi me sacrifier. Attends, je ne peux pas te laisser y aller comme ça. C'est moi qui vous ai emmené en ces lieux, et vous continuerez très bien sans moi, j'en suis sûre. Que faisons-nous, Hippolytée? La porte va bientôt s'ouvrir, et happez l'une de vous. Sagana, Lead, au secours! Que se passe-t-il? La petite a été aspirée par une grande porte. Laissez, je vais tenter de la rattraper. Désolée, je n'ai rien pu faire. Thank you.
Excédé par la disparition de Felty, Lyd exigea un tête-à-tête avec Chronos, sous peine de dévoiler l'énigme du temple. Le maître des lieux accepta. Après un long moment, il ramena Lyd à ses sœurs guerrières et... Admettez, je crains que ton jeu ne prenne fin. Lyd semble de plus en plus sûr de l'énigme. Et comme tu le prédisais, la mort de Felty les a réellement rendues plus fortes. Tous mes gardes sont morts. Hippolyté a tué Iolas. Méglore s'est enfuie. Et elles n'ont toujours pas faibli. Combien reste-t-il d'hommes de combat? En comptant toi, un. Chronos, libère-les. Je crois qu'elles l'ont bien mérité. De plus, Lyd sait comment sortir d'ici. Sa fille pourrait causer la perte de ton temple. Ne prends pas de risques. Ah, quand même. Lyd, que s'est-il passé? Nous sommes de retour chez nous. Tout le monde est là? Moi en tout cas. Que s'est-il passé? Demanda Atalante. Phaedra? Tu es de retour? Eh oui. Je ne comprends pas. Moi non plus. Mais je suis heureuse de vous revoir. Nadia? Eh bien, tu me croiras si tu veux, mais moi aussi je suis ravie de te voir. Le voyage t'aurait perturbé à ce point, Noria. Tu as des sentiments? Tali, je t'en prie. Je plaisante, Nadia. Je suis très heureuse que tu sois encore en vie. Lyd, comment sont-elles revenues? Rien de très compliqué. Chronos a tout simplement emprisonné Nadia. Quant à Phaedra, son retour à notre époque lui a redonné son enveloppe. Pourquoi Chronos ne t'a pas tué? Je lui ai expliqué que j'avais compris le principe de son temple, et que s'il ne nous libérait pas, je pouvais le lui détruire. Et il t'a cru? Le doute était permis. Le grand Chronos aurait eu peur de toi? De nous, Atalante. De nous. Et comment comptais-tu détruire le temple de Chronos? Ça, ma pauvre Noria, c'était une idée, dis-la-moi, parce que moi, j'en sais rien du tout. Mais du moment qu'il l'a cru. Et pour Felty? Malheureusement, notre petite sœur a bel et bien été engloutie dans les eaux de Charib. Je ne cesserai de vivre tant que je n'aurai tué Hercule. Non! Tu ne peux rien faire contre le fils de Zeus. Laissons Nepharis s'en occuper. D'ailleurs, où est-elle? Et Myrina? Auprès de la reine. Elle nous attend au palais de Themyscira. Comment sais-tu cela? Elle m'a donné toutes les directives d'Hippolyté. Notre reine se repose elle aussi de son périple. En tout cas, nous voilà soudés et unis, prêtes à reconstruire une nouvelle nation. Qu'en dites-vous? Sans la ceinture? Pour moi, ça n'a aucune importance. Tu as raison. Nous sommes plus fortes qu'avant. C'est de la confiance que naît la trahison. Et nulle part... Je sais tout ce qui se trame derrière notre dos. Oh non, ce n'est pas possible. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Quoi? Nepharis, que fais-tu là? Quelque chose m'intrigue. J'ai le sentiment que la reine s'est jouée de vous. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Un pressentiment, des indices bizarres trouvés dans le temple. Quoi par exemple? Parle, si ce que tu dis est vrai, il faut prévenir mes sœurs guerrières. Je ne sais pas, j'ai des sensations. Puis des attitudes de Felty.
Mais viens avec moi, je t'expliquerai en route. Pas si vite. Nepharis, qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi te raconter une histoire, Aliette. Tu crois vraiment que c'est le moment? Je crains que tu n'aies pas le choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as raison, ma petite. Il y a bien une traîtresse parmi les Amazones. Tu t'en es rendu compte, toi aussi? Qui est-ce? Écoute, Admettez, si tu ne veux pas avoir d'ennui, oublie cette histoire. Et pars vite. Sinon, tu risques de le regretter. Nepharis, cette histoire m'intrigue. Et c'est mal me connaître si tu penses que je vais abandonner. Tu sais, dans ce genre d'histoire, il faut avoir beaucoup d'imagination. Parle, je t'écoute. Il était une fois une femme qui tomba amoureuse d'un homme. De leur amour naquit deux sœurs jumelles. Le père fut tué. Mais il s'avéra que les enfants étaient en réalité doués de magie. Elle choisit donc d'élever ses gamines dans le plus grand secret, persuadée que leur talent lui servirait un jour. Et cette femme ne me dit pas que c'était la reine? Et la magicienne, c'était toi? Ça y est, tu en sais trop. Mais où est ta sœur jumelle? Vraiment curieuse? Tu veux vraiment tout savoir? Pourquoi cette trahison? Montée de toutes pièces par la reine, Hippolyte a préservé les 10 Amazones capables de refonder une nation. Pour les autres, qu'elles soient tuées, jusqu'à la dernière. Pourquoi a-t-elle fait cela? La reine se savait contestée par trop de clans. Ne supportant pas ce manque de respect, elle a décidé d'anéantir la nation. On ne menace pas Nepharis, jamais. Regarde, espèce de petite peste. Qu'est-ce que tu vois? Réponds. Scassia? Que lui arrive-t-il? Elle est tout simplement à ma merci. Sa vie dépend désormais de ton silence. Laisse-la, je t'en supplie. Pas la peine de me supplier. Contente-toi de garder notre secret dans ta petite tête. Et elle vivra. Sinon... Je t'ai interrompu tout à l'heure. Tu disais donc... Pardon, je ne dirai rien. Je ne te le conseille pas. Souviens-toi, je suis ici et nulle part. Cette phrase devrait t'aider à comprendre d'autres choses. Désormais, c'était certain. Aucun dieu, aucun héros, aucun guerrier n'oserait les affronter. Suivre les traces des guerriers.
maintenant.